Laurence Crucifi, vous êtes la bourgmestre de Libramont. Malgré la crise, on voit à travers le budget que Libramont continue son développement en 2023, notamment avec le gros projet de la place, mais pas seulement. Oui, donc la place communale, mais je vous en avais déjà parlé. Donc là, réellement, concrètement, on pourrait démarrer le lancement des marchés pour la réalisation des travaux, avec dans une première phase la plaine de jeu et la halle couverte. Et puis il n'y a pas que la place communale à Libramont. Il y a toujours l'entretien des voiries, l'entretien annuel, mais aussi des réfections de nouvelles voiries dans les villages. Nous avons déposé également un dossier FEDER pour la rénovation énergétique de l'ensemble du bâtiment du centre culturel. Et puis, on continue notre tour des écoles avec la rénovation de l'école de Neuvillers, des projets qui ont été réalisés sur une dizaine d'années. Et donc, on termine avec l'école de Neuvillers. Donc, voilà tous les investissements qu'on peut réaliser encore en 2023 et d'autres qui devraient arriver en fonction des subsides que nous avons demandés.